qui ferait ça, mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Il me semble que c'est pas Jack Kerouac. Ouais, mais ça, c'est avant qu'il ait pris son café. Oh, et puis après son café, ah, c'était mémorable. C'était des grandes percussions sonores, des grandes variations sur la structure langagière. Oh, mon Dieu. Et plus il amenait un sens à son histoire, oui, moins le public embarquait. Oh, parce que le public débarquait. Ah, souvent. Il roulait à 150 000 à l'heure. Le public débarquait. C'est dangereux, ça, lire du Jack Kerouac quand vous n'êtes pas initié. Mademoiselle, initiez-vous, attachez-vous et soyez préparés à entendre quelque chose d'assez halluciné. Oh! Donc, Jack Kerouac est en train de prendre son café, puis là, il écrivait « Ah, comme à la neige, hein, n'est-ce pas Jack Kerouac, ça, c'est Mulligan. » Ah, oh, c'est vrai. Mais il écrivait. Et Jack la voiture, lui, il était à côté de lui, puis là, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? Fais-tu du dessin? » Hey, là, Jack Kerouac, là, sentait l'adrénaline sonner dans son cervelet. Puis là, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ça, cette chose-là? Parce que c'était un être quand même assez étrange et obscur, puisqu'il faisait noir. C'était un matin noir, nuageux, presque sous l'influence de la pluie. Entre la pluie et la neige, hein, il faisait moins 3, moins 4. Alors, on ne savait pas si... Mais il ventait... Ouais, on s'y croirait. Hein? Ouais, j'ai eu froid, moi. C'est hanté. Ah, c'est un vent hanté. Jack Kerouac, à un moment donné, le regarde. Il dit, « In the run again. » Allez, mets-le. « In the run again. »« In the run again. »« In the run again. »« In my Englishman. »« Oh, Englishman. Me francophone. »« Oh, Jack francophone. »« Ah, me. Ah, comment saviez-vous? » Non, c'est lui. « Comment tu savais que je m'appelais Jack la voiture? »« Écrit sur le parapet de votre trapette. » Répète. Vous avez un chandail? Oui. Le chandail est indiqué de Suze. Oh, mais il est usé. Oui. Alors, vous avez pu lire. Je lis francophone, mais je ne parle pas francophone. Oh. Dame-tête. Eh, monsieur, on peut-tu passer à la musique? Dame-tête. Oui. Je peux voir le nom, mais dans ma bouche, ça l'est ventré. Oh, ça sort pas. Oh, ça sort à plein. Oh, non, on n'aime pas ça. Non, c'est vrai, on n'aime pas ça. Mais après quelques cours, vous donnerez à moi. Oh, peut-être sortir francophone de ma bouche. Oh, peut-être, mais vous êtes Jack la voiture ou Jack the car? Jack the car. Mais moi, je vais vous appeler Jack la voiture. OK, Jack la voiture, Jack the car. Ça fait que, hey, Jack DeCar, moi qui roule and roll again sur les États-Unis, tu roules sur les États, oui, dans tous mes États. Puis, quelquefois, ma voiture fait des chiennes. Oh, et des chats? Ben non, le chat, c'est Jacqueline qui l'a. Oh, mon Dieu! Mais c'est là que ça se passe, là. Sentez-vous, là? Ah, le lien! Alors, si vous voulez embarquer avec moi puis faire toute la route de ma vie, oh! Et vous serez dans mes livres à la dernière page, Jack de voiture, Jack de car. Puis si les gens savent bien lire, c'est juste en bas de imprimé en 1900, exemple 72, Jack Kerouac, hein? Jack Kerouac, en bas, tout petit, tout petit, tout petit, là. Jack de car, Jack de voiture. Ben, peut vous aider. Ouais, moi, je vais apprendre le français parce que là. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Alors, donc, il a dit oui. Alors, pour revenir au chat de Jacqueline, elle m'arrive avec un petit minou. Rouin, rouin, c'est merveilleux. Mais là, j'en ai parlé souvent des chats, puis. Mais là. Elle me dit, ouais, mais c'est pas normal de laisser ça. De laisser une petite bête comme ce chaton dans les ruelles de Limoilou. C'est où, ça, Limoilou? Ben, c'est à Québec, dans la banlieue de Québec. OK. La plus banlieue de la ville de Québec, oui, c'est Limoilou. Il n'y a pas plus de banlieue que ça. Oh!
alors il y a des banlieusards. Non, il y a des amis, OK. Tu voulais rimer avec art, oui. Il y a des artistes. Il y a des accessoires à deux pattes. Et il y a des âmes heureuses de vivre. Oh! À Limoulouse. Donc, j'ai vu ça, ce petit chat-là, là, il faisait... Et mon Dieu, c'est pas un chat, ça, c'est une ligne qui fonctionne pas. Non, c'est... C'est un petit chaton, il a même pas un mois et demi. Oh, il est noir. Ben oui, ça porte malheur. Puis moi, je suis allergique au chat. Ben là... On peut-tu le garder? Ben, Jacqueline, là, je vais t'expliquer une chose. Ah, deux choses. OK, deux choses. Première chose, oui, on peut pas le garder. Ah, non. Deuxième chose, oui, on peut le garder. Ah, on peut le garder un mois et demi. On va l'engraisser, puis après ça, on va le mettre à mijoter. C'est bon, du chat. Mais comme c'est noir, là, un petit chat noir, il faut... c'est plus coriace, la viande de chat noir. Ah, man, c'est vrai, ça? Ah, ben oui, avec des petits oignons, ça va fondre dans la bouche. Ouais, mais ouais, si le... Comment t'appelles ça? Le maître, oui... le réclame, on va lui lancer, puis garde-le ton chat. Mais non, on peut pas lancer ça, c'est un petit minou. Oui, c'est vrai. Tu lui donneras. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le chat? Ben là, c'est toi, mon cher ami. Ah, ben là, on va... on va y penser pendant toute l'émission. Oh, ben c'est tellement gentil. Ben, j'ai pas dit oui, là. Ah, OK, merci. Monsieur le Président, oh! Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, je l'ai dit, Errance Rinaldienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai une petite tendance à dire... Tu as toujours une petite tendance à dire, oui, c'est vrai. Merci. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rinaldienne. Il y a un texte ici, d'un grand dramaturge. Oh! Ah, il est tellement grand. Oh! Ben, est-ce qu'on peut laisser... Non, on peut pas laisser. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va l'abandonner. Oh! Comme Jack Kerouac devant Jack la voiture? Oui. Sans pitié. On les laisse. Il me fait une dépression. Non, non. Tout à coup, il veut plus rien faire. Non, non, mais écoutez... Dis-le au docteur Flicker. C'est venu après une lecture. Hey. Docteur Flicker. Là, la madame ici, là, qui se veut ma ménagère heureuse, là, fait une fixation sur mon état mental, là. Est-ce que vous pouvez lui dire, madame... Il me fait une dépression. Non, premièrement, c'est pas une dépression. C'est un arrêt de conscience. Quand je te vois, parce que je me dis, comment ça, c'est comme ça, là? Comment ça, tu bouges pas? Comment ça, tu restes aussi stagnante? Tout à coup, il veut plus rien faire. Moi, je fais tout pour toi. C'est toi qui ne fais rien pour moi. Je suis... Non, Dr. Flicker. Dr. Flicker. C'est pas Flipper. Non, c'est Flicker. Flicker. Dans Flicker, il y a Flicker. Y a-t-il un flingue, le Flicker? Ah non, il y a... C'est venu après une lecture. Oui, j'ai lu Jack Kerouac dans son œuvre la plus connue. Il l'a dit. Elle running. CKRL, cultive tes goûts.